Fanny le bestiaire, ça rime, euh, avec euh, une réflexion d'ailleurs, euh, qui, qui peut-être que Pascal Pic continue de nous regarder. Voilà, il euh, y a une... Il y a une cohérence, le chimpanzé, le télétravail. Vous êtes intéressé qu'on une sorte de bestiaire. Dis-moi quel manager tu es et je t'essaierai de te classer dans la, dans la famille des un animaux. Un peu ça en gros euh, manager, quel animal êtes-vous Alors ça ressemble un petit peu euh, au titre d'un test qu'on peut retrouver euh, dans ouais. un magazine. Hein, l'été sur la plage, feuillette l'été, euh, voilà un petit test euh, léger, sans prétention. Et pourtant, bah, derrière ce sujet, euh, il y a quand même euh, une question profonde, hein, très sérieuse. Euh, le monde animal a finalement beaucoup à nous apprendre, y compris sur le management et le leadership, car dans la jungle de l'open space, il y a forcément quelqu'un qui fait la loi et c'est peut-être vous mais vous êtes plutôt gorille lion, éléphant, buffle hyène, et bref quel animal Chauve-souris vous Non, avez... il n'y a pas de chauve-souris chauve non, 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 vous n'avez non. pas euh, de chauve-souris On n'a pas poussé jusque là en tout cas, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Quel animal se cache derrière vous Et puis, si vous n'êtes pas manager, nous allons tenter de débusquer celui qui se cache derrière votre boss. Euh, c'est vrai que c'est pas la première fois. Le règne animal est riche d'enseignements. On se souvient des caricaturistes qui, qui dessinaient des visages d'animaux sur des visages humains. Il y a comme ça ce rapport vrai. entre l'animal oui. et le. Il y, y a des et... liens. Euh... Ouais vraiment très ténues. Euh, il suffit pas de les observer dans la nature. Hein. Les animaux se regroupent en communauté. Ils s'organisent, coopèrent, planifient, gèrent des crises, complotent même, et surtout, ils choisissent. Bah des leaders Oui. Alors, à bien y réfléchir, c'est vrai que le monde animal et le monde de l'entreprise sont plus proches qu'il n'y paraît. Mais dans la nature, qu'est-ce qui fait un bon leader Eh bien, c'est à cette question qu'a tenté de répondre Erna Valraven. Pendant plus de 30 ans, elle a observé les animaux dans la nature ou en captivité. Et elle a été soigneuse, gardienne de zoo et conservatrice. Dans son livre C'est qui le chef Sorti en début d'année aux éditions de La Chaux et Nieslé. Elle s'est penchée en particulier sur le leadership au sein de la jante animale, résultat différents profils, différents profils propres à chaque espèce et dans lesquels nous pourrions tous nous reconnaître ou Reconnaître notre boss. Bon, on commence par le, quoi le manager autoritaire. C'est bah quel celui animal C'est sur la couverture du livre ah Le Gorille. Oui, le voilà. Gorille. Manager autoritaire, donc vous êtes gorille. Alors Chez les gorilles, le chef prend les décisions seul, sans la moindre concertation. Le gorille, mal, hein, on est d'accord. Parce que là, c'est Go très gorille, misogyne, finalement, ce livre. Il n'y aurait que des managers gorilles, hommes. Alors, chez les gorilles, oui. Ah, Vous allez voir que ce n'est pas le cas dans, tout, euh, dans toutes les espèces. En tout cas, chez les gorilles, ce sont les mâles euh, qui décident. Ils décident de tout. Ils décident même quand on se déplace, quand on se nourrit, quand on doit se reposer. Il a la main mise sur le groupe, le gorille. Il régit tout de A à Z. Il est autoritaire, mais protecteur. Il est responsable de la sécurité bah, et du bien-être de son groupe. Et il sait mettre. Tout le monde à la brillante cas de danger et résoudre les conflits. Le gorille est-il pour autant? Un dictateur, bah oui, hein, on ne va pas se le cacher. Mais on peut compter sur lui pour prendre des décisions rapidement, dans les moments critiques. Donc, selon l'auteur du livre, Erna Valraven, il s'agit d'un style de leadership efficace en temps de crise, quand on n'a pas le temps de discuter, quand il faut réagir vite à une situation critique. Mmh, D'accord. Euh, le manager libéral serait plus au quoi Alors, on est sur le lion. Ah, le lion. Ah, lion. C'est quand même pas mal, ça. Alors, pourquoi le, le lion d'Afrique, je précise euh, Pourquoi libéral pourquoi le... euh, au sens où il en impose tellement que finalement il régit de manière assez décontractée. Globalement, il est plutôt en retrait. Il y a une équipe de lionnes qui est chargée d'aller bah, chasser et de ramener les proies. La belle vie, quoi. Et elle s'occupe du travail de chasse. Voilà. Lui, bah, voilà, il reste en retrait, il observe. Euh, donc les lionnes. Euh, chargé de nourrir la meute, une équipe qui s'autogère en plus. Le lion, bah voilà, il se contente de fixer des objectifs, euh, de faire euh, bah, des petits aussi, hein, de protéger le groupe. Donc le style du lion fonctionne bien avec une équipe, euh, on va dire d'experts, de, euh, car le lion sait déléguer, il compte beaucoup sur son équipe, euh, parce que euh, oui, il a besoin, il a besoin de l'équipe. Hein. bah oui, il ne fait pas grand chose. Sinon, le lion, le lion hein. est sous l'arbre. Mais voilà, il sait qu'il il leur fait totalement confiance. Euh, Ceci dit, il est présent si, en cas de besoin, on peut le solliciter pour avoir des conseils. Euh, mais voilà, ce style de management ne fonctionne pas avec des, des profils plutôt inexpérimentés ou plutôt jeunes. Donc, il faut vraiment avoir euh, oui. voilà, des, des experts, en fait, tout simplement. Alors, le manager, alors là, on avait le lion, le libéral, tranquille, cool, le démocratique. Eh oui, et c'est oh. le buffle. Ah, le buffle, buffle C'est grosse corne Grosse corne, moi, mmh. j'imaginais le buffle râleur. Bon, peut-être, mais en tout cas... moqueur peut-être Il se distingue par sa prise de décision assez singulière. Il consulte les membres de son groupe en permanence. Chaque décision est soumise à un vote. Par exemple, pour les déplacements, les femelles adultes expriment leur choix en se levant et en fixant du regard l'endroit où elles veulent aller. Et c'est comme ça qu'on vote chez les buffles, voilà. Bon, ce style de leadership offre à, la chaque, à chacun la possibilité de faire part de ses idées librement, ça favorise le consensus. Cela renforce aussi le sentiment d'appartenance au groupe. Le petit souci, c'est que bah, la consultation prend du temps, donc euh, c'est un style de leadership qui est moins efficace lorsqu'il s'agit de faire face à des situations d'urgence. Euh, alors, le paternaliste, là on a celui démocrate, le paternaliste. Alors là, on devient... là, Alors, on y arrive. Les femmes prennent le pouvoir. Là, on voit un hein, peu... Oui. C'est-à-dire, c'est quoi C'est la puissance bah, chez, le les côté... chez les éléphants, en fait, ce sont euh, les femelles les plus âgées qui dirigent le troupeau. Elles se servent de leur expérience pour guider euh, le troupeau euh, vers l'eau, la nourriture, protéger aussi des prédateurs. Ce sont des matriarches. Hein. Euh, elles se sont, ce sont des leaders autoproclamés, mais elles, 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 sont, voilà, en, en fait, elles ne sont pas autoproclamées. Elles sont choisies par la, leur famille, une famille qui les respecte. Euh, le manager paternaliste ou maternaliste assume ses responsabilités. Il dirige... De manière plutôt euh, directive, hein, plutôt que consensuelle, veille sur son équipe comme le ferait finalement un parent sur sa famille. C'est un style de management donc basé sur l'expérience, le conseil, plutôt démodé aujourd'hui hein, <laughs> et euh, pas au goût de tout le monde, hein, notamment chez les jeunes générations aujourd'hui. Mmh. Euh, L'adaptatif. Alors là, c'est un animal qui n'a pas une bonne presse, mais en tout cas, il est dans le bestiaire de. de, de alors dans votre pas une bonne presse, mais alors absolument fascinant, ouais, euh, ouais. notamment dans le livre. Dans le travail de meute, de travail de groupe. L'auteur nous explique que finalement ouais. euh, le, le Style de management, s'est totalement transformé au fil des années. Pourquoi Parce que en fait, euh, les yènes, euh, sont font attention à une chose, c'est la survie de leurs petits. Bien sûr. Et en fait, petit à petit, dans un milieu très hostile, même le physique de la hyène s'est totalement transformé. Et aujourd'hui, les femelles hyènes sont plus robustes que les mâles. Et ce sont elles qui ont pris le pouvoir, qui défendent les petits, même lorsqu'il va y avoir une chasse. C'est la, la femelle hyène allaitante qui va diriger le groupe. Donc finalement, la femme a pris mmh. le dessus pour. Euh, enfin, la femelle la femelle j'ai dit la femme la hyène. Oui. la mise à robe la, femelle la hyène la mise à robe et le leader incontesté euh, voilà elle a aussi des subordonnés donc ça, ça fonctionne aussi en groupe et elle dirige et elle, elle, assez elle, incroyable. elle pilote et là enfin ce que ça représente c'est la flexibilité c'est-à-dire que euh, dès lors qu'une ancienne méthode ne fonctionne pas ben, on se remet en question on essaye de trouver une autre mmh. voie est toujours possible c'est vraiment le maître mot euh, de ce style de management adaptation plutôt adapté. Adaptatif. Donc, parfait en contexte de crise, ça prend du temps, mais la remise en question est plutôt bénéfique. Et vous le savez, quand on fait les tests en, en fin d'année en fin en fin ou plutôt l'été sur la plage, on est souvent à moitié un profil, à moitié l'autre. Je ne sais pas dans quel profil vous êtes reconnu, Arnaud, hein. mmh. mais je ne dirai pas. C'est peut-être ce qui fait votre force. Je pense qu'il y a un petit peu d'éléphant. Il y a un petit peu de, de buffle aussi. Il y a un petit peu de tout en vous, euh, Arnaud. Peut-être un petit peu de lion voilà. aussi. Euh, le livre, Fanny, vous essayez de me percer à nu comme mais ça oui, à l'antenne. Oh. Ouais, ce boulot, livre a l'air passionnant. On décrypte, Voilà, on, on est vraiment dans l'espèce le, dans où on voit les comportements et après, elle déplace ça sur les styles de leadership et voir si ça fonctionne ou pas. Quel éditeur, Fanny euh, De La Chaux la, Nestlé. Oui, d'accord, de La, euh, la, ah oui, la Chaux Nestlé. Merci, Fanny, d'être venue nous, nous éclairer Merci à travers à ces. Vous. On parle beaucoup d'animaux, vous l'aurez compris aujourd'hui, une forme de, voilà, de filiation entre cette chronique de Fanny, le, le, le livre de Pascal Pic sur ce rapport au, au, aux animaux, à leur vie, à leur organisation. Et là, on s'intéresse au bonheur, mais pas le bonheur animal, vous, votre bonheur de, de salarié dans l'entreprise. C'est un mot qui, qui fleurit, le bonheur. Euh, Est-ce que l'entreprise doit garantir le bonheur à ses salariés bah, C'est la question qu'on a posée à des philosophes et à des experts du, du sujet. Qui sont conférenciers et qui se sont intéressés au bonheur. Euh, bonheur et bienveillance, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. On va en parler c'est le cercle de notre débat juste après cette pause.